Bonjour, man sister Uli, reggae woman, mangi si vraiment ak mamoit. Bonjour, salam, salam, je m'appelle Uli Mata Diop, plus connue sous le nom de Sista Uli. Je suis artiste musicienne de reggae et j'habite à la Médina. Quand je me réveille le matin, je prends mon café tranquille et puis j'écoute des sons pour m'inspirer un peu et bien démarrer la journée. Reggae music, c'est la musique reggae qui me réveille le matin parce que c'est une musique dans laquelle je me retrouve en tant qu'Africaine. Parce que c'est une musique qui dénonce et je pense que le reggae a une bonne place dans la musique en général. Déjà très petite, quand j'étais enfant, j'écoutais beaucoup Steel Pulse, j'écoutais beaucoup Bob Marley aussi. Parce que j'ai eu des parents artistes. Mon papa, il était musicien et ma maman, électronicienne et technicienne de musique. Elle a une fois travaillé à l'Orchestre National. Donc c'est ce qui m'a poussé à me lancer dans la musique, dans la chanson reggae. Bon, ce serait ce que je suis aujourd'hui, c'est la Yaïfal, que j'adore, que je porte dans mon cœur, parce que c'est une certaine grande ouverture. C'est une grande ouverture. La Yaïfal, elle a une ouverture d'esprit et elle travaille pour le développement de son pays. Elle se bat pour l'unité et la vérité. Et aujourd'hui, je me réjouis du parcours que j'ai fait parce que j'ai eu à rencontrer de grosses pointures reggae jamaïcaines telles que Rita Marley, Adjaman, Kimani Marley et Steel Pulse, David Hines et son groupe. J'ai partagé des scènes avec ces grosses pointures en Côte d'Ivoire, en Europe. Avec le groupe UN Unite Sénégal, nous avons sorti un CD aux Pays-Bas en 2007, vu que le Sénégal n'avait pas le commerce équitable. Donc nous avons vendu les CD aux Pays-Bas. Voilà. Et je dirais que c'est un bon parcours que j'ai fait. J'ai fait beaucoup de plateaux, beaucoup, puisque j'ai commencé très très tôt. Et j'ai eu à échanger avec des artistes africains comme Tiken Diafakoli et plein d'autres. Donc je m'en réjouis, vraiment. Donc en tant que femme dans ce milieu de mecs, bourré de mecs, il faut vraiment avoir la tête sur les épaules et puis persévérer, se battre pour être au devant. Puisque maintenant, je trouve qu'au Sénégal, il y a beaucoup de talent. Donc, il faut beaucoup travailler pour être au top. Ouais, à 100%, je suis féministe. Je défends les femmes. Et je fais tout pour que la femme soit glorifiée. Et je trouve que c'est ce qui est normal. La femme sénégalaise, elle est battante. La femme sénégalaise, c'est une lionne. Voilà. On n'est pas dans les détails, on travaille vraiment pour le développement de notre secteur parce qu'on en a bien besoin. Ouais, ce qui me révolte et ce qui est bien dommage, c'est qu'il n'y a pas de producteurs reggae au Sénégal. Il y a plein d'artistes reggae, plein de talents, mais il n'y a pas de producteurs reggae. La plupart des artistes qui ont un produit sur le marché, ils s'autoproduisent. Et je trouve que nous, les reggaemen, nous avons notre place au Sénégal. Nous avons notre place dans la musique ici. Voilà. Et ce n'est pas facile pour nous. Pour avoir l'autorisation d'organiser un concert, c'est la croix et la bannière. Et je trouve que ce n'est pas normal. Voilà, je vous raconterai une anecdote. Une fois, c'était dans mes débuts, je venais d'avoir mon enfant. Je venais juste d'accoucher. Avant mon accouchement, moi je joue, même quand je suis enceinte, je joue. Je fais les plateaux, je fais les concerts. Donc on avait un concert au stade d'Embo Diop avec le Festival des Afro-Musiques. C'était une sélection, j'étais en état de grossesse de 9 mois. Mon groupe a été sélectionné, c'est le groupe Jam Siyalla.
Donc le groupe a été sélectionné et je devais partir en Côte d'Ivoire. Avec ma grossesse, mes musiciens m'ont dit « Non, tu ne peux pas y aller, donc on va te remplacer par une autre chanteuse. » Et j'étais hyper fâchée. Dieu a fait que juste avant la date, j'ai accouché d'un garçon, d'un petit garçon qui va maintenant à l'université. Voilà, j'ai accouché et puis avec le bébé, nous avons pris l'avion pour la Côte d'Ivoire pour faire le concert. Il n'avait que 5 jours et on l'appelait bébé sans nom. Vraiment, c'est une expérience incroyable que j'ai fait dans ma vie, que j'ai vécue. Le milieu artistique au Sénégal est bourré de talents, surtout les jeunes talents. Voilà, que ce soit dans le stylisme, la musique, voilà. Et je ne parlerai pas de ma carrière sans citer Espace Medina, un endroit où j'ai eu à fréquenter quand j'étais plus jeune. J'apprenais la guitare et je faisais un peu de peinture. Donc un grand merci à mon grand Moussa Traoré qui a beaucoup participé à ma carrière quand j'étais jeune. Voilà. Et je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Beaucoup de talent. Il y a la matière au Sénégal. Il faut vraiment donner la chance à ces jeunes de développer ce qu'ils font, le secteur dans lequel ils sont. Il faut donner de la chance à ces jeunes-là. Le projet, c'est de faire un album. Et j'ai déjà mon groupe de reggae depuis un moment. Je tourne, je fais des concerts. Mais là, je suis en train de bosser sur mon album. Donc j'ai commencé les enregistrements, quoi. Sortir un album et puis bouger un peu. Voilà, quoi, voyager, faire des concerts et la sortie de mon album, qui sera pour bientôt.